C'est un restaurant de cuisine française avec des classiques de la cuisine française. Et on essaye de proposer une gamme de produits et d'offres qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément au Vietnam. On a un petit coquelet français qui est farci au foie gras et à la truffe. Voilà, donc c'est rôti au four, donc c'est assez sympathique. Ensuite, on a un menu, c'est une spécialité tout homard. Donc on réussit à faire venir des homards vivants du Canada, donc qui arrivent ici encore vivants. Et donc on prépare ce homard en trois plats. Donc c'est trois recettes différentes pour un homard de entre 800 et presque 1 kg parfois, vraiment des belles pièces. Donc c'est des choses voilà, que je pense qu'on ne trouve pas ailleurs et qui rendent l'expérience intéressante. On part de quelque chose de la cuisine de la maison et on va arriver aux trois macarons Michelin qu'on peut trouver autour du monde avec des techniques exceptionnelles. Toujours avec cette essence de base qui est l'amour des bons produits, des bonnes choses, du plaisir de la table, etc. Donc ça, c'est vraiment la trame de fond. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on peut avoir des offres très différentes. On peut avoir une cuisine de bistrot, une cuisine familiale, une cuisine de brasserie et puis une cuisine dite fine cuisine, gastronomique. Donc qui va rechercher à ce moment-là vraiment le produit de qualité optimale pour avoir un résultat dans l'assiette avec une technique optimale pour travailler le produit dans vraiment la quintessence de la substantifique moelle du produit. On pense tout de suite aux clichés, hein, les soupes à l'oignon, les choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. Et puis, je crois qu'il faut écouter le chef, la recommandation du maître d'hôtel et se laisser porter. C'est un moment exotique à sa façon, à part s'il y a vraiment des choses qu'on n'aime pas. Bon, certaines personnes n'aiment pas le poisson, certaines personnes n'aiment pas la viande, donc il ne faut pas aller à l'encontre de ça parce que c'est vrai que ça ne marchera pas. Mais après, je pense que si le cuisinier est bon, tout est bon.